Bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël dans laquelle je ne vais pas cette fois-ci vous parler de films, mais je vais vous parler de livres liés au cinéma asiatique, évidemment, avec une petite exception qui, elle, est quand même liée à l'Asie et qui, à mon avis, ne fera pas tache dans la petite sélection de livres que je vais vous proposer à potentiellement mettre sous votre sapin de Noël. Quelques précisions. D'abord, il s'agit d'une sélection de livres récents. Au début, je voulais faire une sélection de livres anciens et récents, enfin de faire une espèce de grosse compilation de livres liés au cinéma asiatique. Et puis je me suis rendu compte que si je partais là-dessus, ça allait faire quelque chose de 2 à 3 heures. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de plus réduit, de me concentrer sur les livres les plus récents qui sont sortis par rapport au sujet. Deuxième précision, c'est que la plupart des livres dont je vais parler ici sont liés à Hong Kong. C'était pas fait exprès, à vrai dire, j'aurais aimé avoir une sélection un peu plus large, mais il se trouve que ce sont les livres que j'ai lus récemment, et donc ce sont ceux dont je peux parler puisque je les ai lus intégralement, et donc je suis plus à même de pouvoir vous les conseiller. Enfin, cette sélection va avoir des livres en français et des livres en anglais. Je sais que ça peut être un peu handicapant pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Toutefois, je tiens à préciser que les livres en anglais dont je vais parler ne sont pas des livres. C'est pas un anglais de thèse académique. C'est un anglais simple, facile d'accès. Donc, si vous arrivez à lire des articles en anglais sur le net, des forums, logiquement, vous arriverez à lire les livres en question. À mon avis, ça ne devrait pas être rédhibitoire. Bon, par contre, si vous ne parlez absolument pas anglais, là, ce sera effectivement un problème et il faudra que vous fassiez le forcing auprès d'un éditeur français pour qu'il se bouge les fesses et fasse la traduction. Pour certains d'entre eux, je pense que c'est faisable. Il y en aura un autre, par contre, pour lequel, à mon avis, ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà, donc ça, c'était les précisions initiales. Maintenant, partons dans la sélection de livres que je vous conseille à mettre sous le sapin. Et le premier d'entre eux, il s'agit de Police contre syndicat du crime. Ah mais non, c'est une erreur, évidemment, ce n'est pas un livre récent, il date de maintenant 3 ans. Bon, je vais pas vous embêter avec ça, évidemment, je vous conseille de l'acheter et de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet ou à des ou aux interviews que j'ai pu donner sur divers sites. Mais évidemment, si vous ne l'avez pas encore, il va falloir que vous fassiez en sorte de corriger cet impair. J'arrête avec mon bouquin, mais il va quand même rester en arrière-fond, histoire d'avoir une espèce de petite image subliminale qui va vous pousser à l'acheter si ce n'est déjà fait. Et on commence réellement la sélection et on va la commencer dans l'ordre chronologique des personnalités qui sont traitées. Et la première d'entre elles, c'est Bruce Lee avec Bruce Lee, A Life par Matthew Polly. Donc une grosse biographie de Bruce Lee. Hein, quand je dis grosse, elle est quand même un peu plus de... quasiment 600 pages si on prend en compte les différentes notes qui ont été faites par l'auteur. Donc c'est très complet, vraiment, il y a un très bon boulot qui a été fait. C'est le type de biographie qu'on aime lire, c'est-à-dire que c'est pas le type de biographie un peu feignasse où on se contente de reprendre des articles à droite à gauche, ce qui a déjà été dit, on fait une grosse compile. Bon, ça peut être intéressant ce type d'exercice, mais ça reste quand même assez limité. Heureusement, ce n'est pas ce qu'a fait Matthew Polly. Matthew Polly, il s'est bougé les fesses. Il a été à Hong Kong, il a été dans les différents endroits où Bruce Lee a vécu, où certaines personnes qui ont connu Bruce Lee vivent encore actuellement, et il les a interviewés et il a pu recréer donc intégralement la vie de Bruce Lee. De sa jeunesse à Hong Kong, de ses études aux États-Unis, de son l'ouverture de son école d'arts martiaux, de son retour à Hong Kong pour faire des films de kung-fu, les films de kung-fu qu'on connaît bien. Donc il y a eu vraiment un gros boulot de fait par Matthew Polly et grâce à ce boulot qui a été fait par Matthew Polly, eh bien on obtient à mon avis ce qui est la toute meilleure biographie de Bruce Lee. À ce jour, il était temps quelque part parce que Dieu sait il y a beaucoup de livres consacrés à Bruce Lee, mais beaucoup d'entre eux sont quand même pas jojo à mon avis. Mais donc là vraiment, ça y est, je pense qu'on a quelque chose de tout à fait recommandable sur le sujet. Je trouve qu'il a fait un excellent travail, surtout en ce qui concerne des parties
qui n'étaient pas forcément bien débroussaillées. Par exemple, la question de la jeunesse de Bruce Lee, surtout durant sa période au lycée, au collège et au lycée. Il a interviewé un certain nombre de ses anciens camarades d'école. Et donc, ça permet d'avoir une vision, à mon avis, plus juste de ce qu'était Bruce Lee à cette époque, parce qu'on a toujours tendance à simplifier la chose, d'ailleurs dans plein de vidéos, j'ai vu quelques vidéos récemment sur YouTube, faites d'ailleurs par des YouTubeurs qui sont pas forcément mauvais, enfin on sent qu'ils ont essayé de faire du travail sérieux, mais c'est quand même rempli de lieux communs et rempli, à mon avis, de simplifications sur ce qu'était la vie de Bruce Lee. Et bien grâce à ce livre, vous avez vraiment quelque chose de plus complet et de plus complexe, qui montre quelque chose de moins simpliste dans la vision de Bruce Lee comme étant un petit bagarreur, machin. Enfin, il y a de ça, mais ce n'est pas que ça. Et ça va vraiment dans le détail sur donc, ces sujets qui, à mon avis, comme je disais, n'ont pas été assez débroussaillés. Donc, l'enfance de Bruce Lee à Hong Kong, mais aussi des sujets encore plus polémiques quelque part, puisqu'il y a le fameux combat contre Wong Jackman, dans lequel il revient sur le contexte de ce combat, sur lequel il revient sur la manière dont il s'est déroulé, même si on ne peut pas dire de manière catégorique ce qui s'est passé. Je pense quand même que là, il donne suffisamment d'éléments pour qu'on ait une idée assez juste de la manière dont il s'est déroulé. Et puis, il tente également de proposer une explication à sa mort. Alors, c'est une explication, c'est une proposition, c'est une hypothèse par rapport à la mort de Bruce Lee, au final. On ne peut pas savoir ce qu'il en est réellement, mais en tout cas, son hypothèse, moi, me paraît assez crédible, assez juste dans ses analyses, dans la manière dont il arrive à cette conclusion. Bon, après, ça reste ouvert à discussion. Si on peut trouver un très léger défaut, moi, je trouve que de tout le bouquin, la partie la plus faible, finalement, c'est la partie de Bruce Lee de retour à Hong Kong, la partie de Bruce Lee, la star d'arts martiaux, parce qu'il a comparativement moins réuni d'informations nouvelles, d'informations intéressantes. Alors, ça tient peut-être au fait que la plupart des gens qu'il a interviewés pour cette partie sont des gens que moi aussi j'ai interviewés. Donc, ça fait que je connaissais déjà la plupart des informations qui étaient présentes, voire j'en ai quelques-unes de plus. Donc ça rend le livre un petit peu moins intéressant dans cette partie-là. En tout cas, en ce qui me concerne, si vous n'êtes pas très familier avec Bruce Lee, je pense que vous trouverez ça quand même très intéressant. Et même si vous êtes très connaisseur, peut-être que vous n'apprendrez pas forcément grand-chose sur cette partie-là. Mais ça reste quand même bien fait, ça reste quand même intéressant. Mais c'est peut-être la partie, si on doit comparer avec les autres chapitres du livre, la partie peut-être la moins fouillée, la moins génératrice d'informations nouvelles, on va dire. Donc voilà, Matthew Polly, Bruce Lee, A Life, très bonne biographie de Bruce Lee que je vous recommande chaudement. Livre en anglais, mais c'est Bruce Lee, donc j'ai quand même tendance à penser qu'à un moment il va sortir en français un jour, donc en France. Si c'est pas le cas, bah écoutez, envoyez cette vidéo à un éditeur français. Et peut-être que ça le motivera à se bouger les fesses pour le faire. En tout cas, que ce soit en français ou en anglais, je vous le recommande très chaudement. On continue avec une autre biographie d'une autre star des arts martiaux, mais une star des arts martiaux qui est nettement plus oubliée maintenant que Bruce Lee. Il s'agit de Alexander Fusheng, donc Biography of the Chinatown Kid par Terence Brady. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vraiment féliciter Terence Brady pour avoir eu le courage de faire une biographie en anglais d'Alexander Fuscheng, parce que Alexander Fuscheng, même si ça a été une star dans les années 70 jusqu'au début des années 80, ça a été vraiment une étoile filante, hein. Il n'a pas finalement marqué grandement les consciences des fans, en tout cas des fans internationaux de films de kung-fu. Il a son petit culte, mais il n'a pas eu la marque culturelle qu'a pu avoir Bruce Lee ou certaines autres stars de films d'arts martiaux. Même à Hong Kong, j'aurais tendance à dire qu'il est quand même un peu oublié maintenant. Le nom est connu, mais si vous demandez à un jeune de 20 ans s'il a vu les films avec Alexander Fuscheng, je suis pas sûr qu'ils vous répondront positivement. Bon, il n'empêche que il a quand même eu une carrière assez intéressante, assez importante, avec plusieurs dizaines de films. Tous sous le pavillon de la Shaw Brothers.
Donc c'est quand même très courageux de la part de Terence Brady de s'être lancé dans une très belle entreprise. Et pour ça, donc le livre doit être salué. Un autre très bon point à mettre au crédit du livre, il traite vraiment tous les points importants de la vie de Fusheng. C'est-à-dire, il revient sur le milieu familial dans lequel il est né et il a vécu son enfance. Il revient sur la manière dont il est rentré à la Shaw Brothers. Il revient sur la collaboration entre Changsha et Fusheng. Il revient assez souvent également sur la relation qu'il y a eu entre Fusheng et Jenny Tseng. Jenny Tseng, qui était une des chanteuses les plus populaires de cette époque, qui a beaucoup contribué également à l'aura qu'a pu avoir Fusheng durant cette époque. Il revient également sur, évidemment, son décès tragique, sur l'accident de voiture qu'il a eu. Donc vraiment, si vous vous intéressez à Fusheng, vous aurez tout dans cette biographie, et donc c'est très bien. Petit défaut malgré tout, si on a vraiment toutes les grandes lignes de la vie de Fusheng, c'est à chaque fois traité de manière un peu, je dirais pas légère, mais disons que si on a l'essentiel, on n'a pas beaucoup plus de détails en fait. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé qu'il aille parfois davantage dans le détail sur la production de certains films. À chaque fois, comme je dis, on aura les informations minimum qu'on est en droit d'attendre. Il indiquera quand est-ce que le film a commencé le tournage, un peu le background de l'histoire, quelques éléments par rapport à la production. Mais je pense que sur certains films majeurs, il y avait manière, il y avait moyen de creuser encore davantage et de donner encore plus de détails sur la production de certains de ces films qui ne sont pas forcément souvent traités. Donc c'était, à mon humble avis, l'occasion de le faire et il y a un petit côté occasion manquée à ce niveau. Encore une fois, il y a l'essentiel, donc ça reste bien. Mais à mon avis, s'il y avait eu un petit peu plus, un poil plus de travail sur certains films, eh bien on aurait dépassé le cadre du bien, on aurait atteint le cadre du très bien. Mais bon, ça reste un défaut mineur. Dans le même ordre d'idée, si on veut rester sur le côté très léger défaut, l'auteur, donc Terence Brady, quand il parle des films, en fait, il fait souvent des citations de critiques qui ont été faites par d'autres fans sur des sites internet ou ce genre de choses. Bon, pourquoi pas, mais moi, j'aurais bien aimé avoir son avis personnel sur certains de ses films et qu'il développe un petit peu son opinion. Par rapport au film qui chronique, il ne le fait pas vraiment, et c'est un petit peu dommage, mais bon, encore une fois, ce sont des défauts mineurs. Il n'empêche que si vous êtes un amateur de la Shaw Brothers et si vous êtes d'autant plus un amateur de Alexander Fusheng, ce livre est une référence et est appelé à le demeurer parce que je pense que personne d'autre ne va s'amuser à faire une biographie d'Alexander Fusheng. Je pense que ça va être la seule qui va exister, en anglais en tout cas, et j'ai du mal à croire que quelqu'un va le faire en français. Donc ça reste pour cette raison un livre recommandé. Biography of the Chinatown Kid sur Alexander Fusheng par Terence Brady. On continue dans les biographies avec celle de Jackie Chan. Ne jamais grandir, Never Grow Up, là c'est la version anglaise que j'ai, qui n'est pas en réalité écrit par Jackie Chan, mais qui est écrit par Zhou Mu. C'est la deuxième biographie de Jackie Chan qui sort. Avant, on avait eu droit à I Am Jackie Chan. Elle est sortie en français sous le titre Ne jamais grandir. C'est un livre que je vous recommande évidemment si vous êtes fan de Jackie Chan. Par contre, il faut être quand même conscient de certaines limites que l'ouvrage a. En l'occurrence, je trouve qu'il est très intéressant pour tout ce qui est la partie Jackie Chan cascadeur. Toutes les difficultés qu'il a eues durant cette période, les états d'âme, les renoncements, les hésitations, les histoires de cœur qu'il a pu avoir. Tout ça, c'est vraiment très touchant, c'est vraiment très intéressant à lire. Et il y a une certaine honnêteté de Jackie par rapport à cette période de sa vie et également par rapport à certaines autres de ses actions, la manière dont il s'est comporté quand il a commencé à être une star, la manière dont il s'est comporté avec certaines conquêtes féminines, ce genre de choses. Donc de ce point de vue-là, c'est assez touchant et
c'est plutôt intéressant à lire. Par contre, c'est également la limite du livre, à savoir que c'est quand même assez sélectif dans les sujets que Jackie Chan veut traiter. Donc il s'excuse par rapport à la manière dont il a traité certaines de ses conquêtes féminines, mais il ne parle absolument pas d'autres dont on sait que bah, il a eu des enfants avec. Enfin, donc c'est quand même quelques sujets sensibles. C'est pas facile évidemment d'en parler, j'en conviens. Mais à partir du moment où il a commencé à ouvrir les vannes, j'aurais tendance à dire bah, va jusqu'au bout, mec. Mais bon, donc il ne le fait pas. Donc ça peut être un petit peu discutable dans cette manière de faire. Également, le livre traite beaucoup donc de la vie privée de Jackie Chan. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas forcément la facette qui m'intéresse le plus chez lui. Moi, ce qui m'intéresse quand je prends des biographies d'acteurs, de réalisateurs, c'est d'en savoir plus sur les films qu'ils ont faits. Et là-dessus, malheureusement, Ne jamais grandir n'est pas vraiment très satisfaisant parce qu'il y a très peu de choses sur le tournage de ces films. Il y a quelques anecdotes par-ci par-là, mais ça reste extrêmement réduit. Donc si vous voulez en savoir plus sur le tournage de Drunken Master, de Police Story, de tous les grands classiques de Jackie Chan, ou voir des films un peu plus déviants, un peu moins classieux à son crédit, ben malheureusement, vous n'aurez pas grand-chose sur ce sujet à vous mettre sous la dent. Donc c'est une heure un peu frustrante, qui a des côtés intéressants, qui, à mon avis, méritent quand même d'être lus si vous êtes un fan de Jackie Chan et si vous êtes un fan de cinéma de Hong Kong, mais en étant quand même bien conscient des limites que l'ouvrage a, qui est donc de ne pas d'être assez sélectif dans certains des sujets qu'il traite et certaines des confessions auxquelles se livre Jackie Chan, et le fait que bah, finalement sur sa carrière d'acteur, sur la production de ses films, sur le côté créatif, il y a finalement assez peu de choses dans le livre, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste quand même relativement recommandé pour toutes les raisons donc, que j'ai énoncées. On a terminé en ce qui concerne les biographies d'acteurs, et là on va passer à un registre différent, puisque ça ne va pas être un livre consacré au cinéma, et ça va être une œuvre de fiction. En l'occurrence, il s'agit des 81 frères de Romain Duissier. Les 81 frères, c'est le premier volume d'une trilogie qui est consacrée à Johnny Kwan. Johnny Kwan, c'est un fatsi qui vit dans un Hong Kong contemporain et qui doit affronter différentes créatures fantastiques au cours de ses aventures. C'est une espèce de mélange de films noirs et de fantastiques qui est très inspiré par les films. Quelque part, c'est un petit côté Magic Cop, on va dire, le film de Tung Wai avec Lam Ching-ying. Ça se lit très facilement, c'est haletant, c'est très sympa. Ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que l'auteur, Romain Duissier, en fait, n'a jamais mis les pieds à Hong Kong. Or, quand vous lisez le livre, il parvient vraiment avec beaucoup de crédibilité à restituer l'ambiance de Hong Kong. Il a fait un excellent travail à ce niveau. On a vraiment l'impression de se trouver à Hong Kong. Et c'est quand même quelque chose d'assez fascinant quand on sait que ben, il n'y a jamais été. Donc il a déjà parfaitement digéré les codes de Hong Kong. Si vraiment vous l'épinaillez, il y a quelques petits détails, mais alors vraiment menus détails sur lesquels on peut se dire, ah oui, ça c'est peut-être pas tout à fait conforme à la réalité de Hong Kong, mais il faut vraiment être complètement dedans pour les capter. Parce que dans l'ensemble, vous allez vraiment penser être à Wan Chai, à Bangkok, et vous allez vraiment pouvoir suivre les aventures de Johnny Kwan de manière tout à fait crédible. Alors, si vous aimez donc les 81 frères que je vous recommande, donc sachez qu'il y a deux autres volumes, comme je dis, c'est une trilogie, et il y a également un jeu de rôle dont le crowdfunding vient de se terminer, mais donc il est financé, donc il va sortir. Si vous voulez vivre vous-même des aventures dans ce Hong Kong fantastique, sachez que vous pourrez donc investir dans ce jeu de rôle qui a été co-créé par l'auteur, puisque Romain Duissier, c'est également un auteur de jeu de rôle. Donc évidemment, il a mis la main à la pâte sur le jeu de rôle de ses propres aventures. Vous pourrez continuer dans le jeu de rôle qui lui est consacré.
qui s'appelle Les Chroniques de l'étrange, si mes souvenirs sont bons, mais de toute façon, je mettrai un lien par rapport à ça dans la description de la vidéo. Un autre livre dont je vais vous parler, c'est un livre que je ne vais pas vous montrer physiquement, parce que malheureusement, la version que j'ai a une couverture qui n'est pas tout à fait. Qui n'est pas tout à fait celle souhaitable. Donc je vais rajouter la couverture en surimpression dans la vidéo ici. Et il s'agit d'un livre qui est un livre amateur qui a été écrit par Max Pereira. Max Pereira, comme il l'explique donc dans son petit livre, c'est quelqu'un qui a été particulièrement marqué par les films de Hong Kong et qui a cherché à venir à Hong Kong avec l'idée potentiellement de percer dans le cinéma et de rencontrer certaines de ses idoles. Et il a réussi à le faire puisqu'il a été entraîné dans l'équipe de cascadeurs de Sharon Young. Et il revient donc dans ce petit livre très modeste de moins d'une centaine de pages sur son parcours, sur comment il est devenu fan de cinéma de Hong Kong, comment il s'est retrouvé un moment à Hong Kong et à s'entraîner avec des cascadeurs hongkongais et à rencontrer donc Sharon Young. C'est un livre qui n'est pas destiné à une diffusion de masse, hein. C'est quelque chose que Max Pereira a édité, a auto-produit, auto-édité. Mais vous pouvez l'acquérir en le contactant directement. Là encore une fois, je vais mettre un lien de manière à ce que vous puissiez le faire si ça vous intéresse. C'est un petit livre très modeste mais très sympa dans lequel si vous êtes fan de cinéma de Hong Kong, vous allez pouvoir facilement vous retrouver. Il y a un certain nombre d'émotions qui sont présentes dans le livre qui vont parler à tout fan de cinéma de Hong Kong, et d'autant plus si vous avez été à Hong Kong même. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à Max qui, je pense, sont arrivées à la plupart d'entre vous, d'entre nous, quand nous avons été à Hong Kong. Donc c'est assez touchant, c'est très modeste, hein, ça n'a pas vocation à révolutionner le monde de la littérature ou le monde du cinéma, mais c'est un parcours d'inintérêt, c'est un parcours très sympathique et qui est de nature à vous inspirer et qui peut-être vous poussera à en faire tout autant. En tout cas, c'est tout le mal qu'on pouvait souhaiter. Moi, je trouve que c'est une belle entreprise, une belle initiative de la part de Max Pereira d'avoir voulu mettre ses émotions, d'avoir voulu mettre son parcours dans un petit livre de cette nature et de le mettre à disposition des personnes qui seraient intéressées pour l'acheter. Et donc je vous le recommande chaudement si vous voulez voir comment d'autres fans vivent leur passion, c'est très sympathique. Et enfin, je vais terminer avec un gros morceau dont j'avais déjà parlé lors d'une vidéo de retour. La vidéo de retour consacrée à l'influence de Star Wars sur le cinéma asiatique. Il s'agit donc de Kaiju Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise par Fabien Moreau. Alors celui-là, je vais le poser, voilà, vous aurez juste un bout de la tête de Mechagodzilla, parce qu'il est quand même très très lourd, il est très très gros. Donc ça va fatiguer mes petits bras. Donc Kaiju Envahisseur et Apocalypse, c'est un livre qui reprend toute la production de science-fiction japonaise de ses débuts jusqu'à toute fin des années 70, début 80, avec à chaque fois à peu près le même format, c'est-à-dire que on revient sur les films, la manière dont ils ont été produits, un petit résumé. Le contexte général et puis l'avis de l'auteur, Fabien Moreau. Donc c'est très bien fait, c'est extrêmement riche au niveau contenu évidemment, mais également d'un point de vue iconographique. Je vais vous en montrer quelques pages. De toute façon, il suffit d'ouvrir n'importe quelle page et vous aurez des magnifiques photos. On va continuer un petit peu. Hop, voilà, vous voyez, c'est quand même très joli visuellement et le texte n'est pas en reste. Hop. Et encore une pour le plaisir. Voilà. Donc c'est le livre somme sur le sujet. Alors c'est un peu comme pour le livre d'Alexander Fuchsheng, hein. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Je pense que personne va s'amuser à se lancer dans une telle entreprise après ce livre. Donc c'est la référence sur le sujet et elle est amenée à le rester, je pense, pour les années à venir.
C'est très complet, c'est très bien fait. Fabien Moreau, c'est déjà l'auteur d'une biographie d'Ichiro Honda, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien sur le cinéma japonais, donc il n'y a aucun problème à relever à ce niveau. Donc je vous recommande très chaudement d'acheter le livre. Après, en ce qui concerne la manière de lire, moi je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de noter tous les films qui sont indiqués dans le livre et de faire en sorte de les regarder. En fait, je vous conseillerais plutôt de regarder les films avant de lire la partie qui leur est dévolue dans le livre. Je pense que c'est mieux de procéder ainsi. Vous pouvez évidemment lire le livre d'une traite, hein, ça va vous donner envie de voir les films, mais je pense que c'est quand même plus intéressant de peut-être de regarder l'iconographie, de noter les titres, d'essayer de les voir et de lire les chapitres qui leur sont dévolus au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez le contexte et vous pourrez apprécier différemment les films en question et vous en apprendrez plus. Enfin, je pense que c'est une meilleure façon d'approcher le livre, à mon humble avis, mais bon, ça après, chacun le fait de la manière qu'il préfère. Visiblement, les retours critiques du bouquin sont très bons. Je pense que ça va plutôt bien marcher en ce qui concerne sa publication, en ce qui concerne sa commercialisation. Donc, on peut espérer que cet ouvrage, on peut espérer que cet ouvrage aura une suite, parce que mine de rien, dans le cinéma de science-fiction japonais du début des années 80 jusqu'à maintenant, il y a quand même 40 ans qui se sont déroulés et il y a quand même pas mal de films intéressants qui mériteraient, à mon avis, d'être traités. Donc, on peut espérer que Fabien Moreau va continuer dans cette direction. A priori, de ce que j'ai vu dans les interviews qu'il a données, il n'a pas l'air d'être trop chaud pour s'y mettre, mais ça, je peux comprendre. Après qu'on ait passé un temps certain à l'écriture d'un livre, on n'a pas forcément envie de s'y replonger directement après. Mais voilà, essayez de faire en sorte que le livre marche et essayez de pousser Fabien Moreau pour qu'il donne une suite au bouquin. Ça le mérite, à mon avis. Et en tout cas, vous ne regrettez pas cet achat de ce gros, gros bébé qui est aussi lourd que le Mecha Godzilla qu'il arbore sur cette couverture. Donc, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise par Fabien Moreau. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de livres recommandables et recommandés qui, je l'espère, vont occuper les petits souliers qui seront au pied de votre sapin. Si vous trouvez ce format intéressant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je peux tout à fait continuer à en faire d'autres. Et en attendant, mais je vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.